Après avoir regardé des dizaines de photos de citrouilles, ben, j'ai décidé que je commençais à les peinturer. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vous montre ça quand c'est fini. Fait que pour l'instant, ça donne ça. Première couche, j'ai même pas fini l'autre. Je suis écœurée, je m'en vais. Mais je vais peut-être la faire. Justement, la laisser orange comme en arrière, mais la faire un dégradé. Fait que. C'est ça. Bye bye. Allô? On vient de m'appeler d'urgence, mais ça fait à peu près 1 heure. C'était tôt le matin, puis tu sais, j'avais fini tard. J'ai écouté mon message, puis ça dit que absolument tout est arraché à mes décos à cause du vent. Je suis choquée, elle va même pas dehors. Hier à 3 h du matin, tu t'étais correct, c'est comme what the fuck. Mais faut que j'aille voir, évidemment, ça arrive toujours à la dernière minute. Je sais pas à quel point c'est dommageable. Ça me stresse, moi j'essaye de pas y penser. Je suis même pas encore réveillée. Bon, on va voir rendu là-bas. J'espère juste que ma bannière est correcte. J'espère juste ça. Bon, j'arrive. Oh tabarnak. Ironiquement, la bannière, c'est la seule chose qui a pété. Puis c'était la chose vraiment la plus solide. Ça se peut pas. Pourquoi le reste n'a pas arraché? Faut quasiment que ce soit volontaire, là. Oh merde, j'espère que ça l'allume encore. Salut, joyeux Halloween! On se voit demain! Fait que, comme on peut voir, tout est absolument intact. Mes affaires les plus fragiles sont toutes là. Mes installations pour la bannière, c'est toutes là. Ma lumière est arrachée. Non, sérieux, c'est pas le vent, là, ça. C'est vraiment du vandalisme. Les petites affaires de niaiserie de même, ça tenue, tu sais. La lumière, elle est cassée, elle est non, là. Ça, c'est encore là. Ça, l'affaire la plus fragile que j'étais sûre de partir au vent, c'est tout là. Tu sais, genre ça, ça bouge à rien. Là, je t'ai juste soufflé dessus, puis ça bouge. C'est resté là. C'est bien cool. L'affaire la plus solide qu'il y a pas. Mon spot de lumière qui est vissé, puis a été cassé. Comment ça casse? Comment ça casse, sérieux? C'est impossible. Là, j'ai plus de lumière. Yeah! Puis la bannière qui était la déco quand même la plus solide, pas infaillible, mais la plus solide de ça, là. Elle est arrachée! What the fuck? Je sais pas si elle fonctionne, mais c'est plein d'eau. Fait qu'il va falloir que j'attende qu'elle soit sec pour installer ça puis la tester. Fait que j'ai perdu mon support dans le milieu. Ah, il y a 3 h du matin, tout était correct. Mais là, non! Yeah! Fait que j'ai plus de lumière. Ça, ça fait chier. Puis ça, ben, ça m'a juste pris des mois à faire. Bon, à part que, bon, ça, c'est correct. Je vais replacer un petit peu les guirlandes, mais il n'y a absolument rien qui est tombé. Même mes bébés qui tiennent par une vis, genre, ont pas tombé. Tu sais, il n'y a pas à dire, là, c'est même pas vissé. C'est juste à côté. Je trouve ça vraiment louche. Tu sais, il n'y a rien qui a bougé, là. Bon, les poubelles du voisin sont rendues chez nous, mais ça, on s'en fout. Il n'y a rien qui a bougé, genre, même pas ça, là. Ça tient pas. C'est vraiment bizarre que ma bannière la plus solide aille arrachée comme ça. What the fuck? Là, ma lumière, je la cherche partout. J'ai fait 2 coins de rue, je la trouve pas. Yeah, c'est la joie! C'est tout le temps ça. 2 jours avant Halloween. Là, c'est 1 journée avant Halloween. Yeah, comme ça, c'est ça. En tout cas, fait que s'il manque des décos ou de la lumière, ben, je suis désolée. J'ai aucune lumière dehors. Et maudit. Ah, là, la voisine est venue saigner. Puis là, le vent est tout arraché, Colin. C'est parce que le vent, là,
Il a pas arraché aucune guirlande, aucune déco dehors, mes petites chauves-souris qui tiennent avec une petite affaire, là. Tout est là, mes bébés qui tiennent avec un clou, tout est là. En arrière, mes petites croix à terre que j'ai plantées, mes petites affaires, tout est là. Mes fils d'araignée n'ont pas bougé. Mes petites cartons-balles n'ont pas bougé. Il n'y a rien qui a décroché après les arbres. Mes panneaux de carton n'ont pas bougé. Mes panneaux de... Mes fausses planches en styrofoam qui font ça de même, là. Puis que j'étais tout le temps en train de dormir l'autre fois à cause des petits vents comparés à ça. Ont pas bougé. Genre, il y en a un qui était déjà craqué, fendu. Ben là, elle a vraiment, vraiment fendu, genre, au complet. Mais il restait à sa place. Tu sais, il n'y a rien qui a tombé. Genre, les structures de la bannière, c'est encore là. La seule affaire qu'il y a, bon, on va que vanter un peu, mais la seule affaire qu'il y a, c'est que la poubelle vide, elle a tombé comme ça, là, le gros conteneur, mais c'est normal, là. Pourtant, tous les poteaux, les pesées de la bannière, ça a même pas bougé, genre. Tout le tour de ma porte, ça a pas bougé. Pourtant, c'est des fils d'araignée, c'est une toile, c'est du styrofoam, c'était l'affaire la moins solide. C'est comme... Non, l'affaire la moins solide, c'est les planches, les fausses planches de la fenêtre. Et il y a rien qui a bougé, genre. La seule affaire qui est... L'affaire la plus solide que j'avais, c'était mon spot de lumière. Dehors, qui est vissé deux fois, puis... Bouge pas là, il bouge pas tout. Puis ma bannière, parce que ma bannière là, elle a des pesées dans le bas, le poteau est vraiment bien posé au bout, puis il est bien vissé ici après une plaque de bois à l'autre bout. Puis j'avais mis du styrofoam en arrière dans le milieu avec du bois que j'avais vissé après. Et une autre pesée comme une roche au bas, puis un autre 2x4 qui le tient vissé et mis en serre avec l'asphalte. Genre, tu fais ça, là, ça, c'est l'affaire la plus solide avant. Des affaires de styrofoam que tu fais, puis ça bouge, là. What the fuck? Puis c'est la seule chose qui était tombée parce qu'on voit que ça a été arraché, c'est pour ça que c'est tombé. Puis ma lumière, de toute façon, je ne la retrouve pas. Je le retrouve nulle part. Il me manque un bout de styrofoam qui tenait la bannière. Puis, manque la lumière. La lumière, elle a été arrachée. Elle a été arrachée, ma lumière, là. Voir si le vent... Man, le vent, ça peut pas arracher ça. Ça peut arracher des choses, ça peut pas casser une lumière. Genre, le plastique est... C'est impossible, là. Faut que je vous montre ça, là. Arrête de douter... De quoi arrête de douter? Comme si j'ai toujours douté. La première fois, c'était du vandalisme. Genre, j'ai du monde qui m'envoie des messages, moi, qui sont frustrés, là, puis qui sont jaloux de mon projet, puis qui sont d'affaires là-même. Ça se peut que quelqu'un s'en revanche et en profite parce qu'il vend pour faire passer ça sur le dos du vent. Ou pour que ça fasse plus de dommages d'un coup. Genre, what the fuck, là, moi, à 3h du matin, tout est correct. Puis là, à 5h, tout serait comme moi. Elle me dit, toutes les décos sont arrachées. Je m'en viens ici, ils sont pas toutes arrachées. C'est ma bannière qui est arrachée. C'était l'affaire la plus... C'est de la façon qu'elle est arrachée, c'est comme ça fait aucun sens, là. What the fuck? Puis ma lumière, c'est comme... What the fuck, ma lumière? Faut que je vous montre ça. Mais c'est une petite madame, genre, fatigante, là. Arrête pas de chialer, puis... Ouais, elle m'a dit, ben oui, c'est là-bas, regarde, ma poubelle est tombée! Ben oui, mais là, ça, c'est normal, quand lisse qu'une poubelle tombe, là. Franchement, là, c'est l'affaire la plus léger qu'elle voit. Ah, puis ma toile! Elle a une toile pour l'hiver, là, sur son balcon, là. Elle est protégée, elle vit ça. Ben oui, mais c'est normal, une toile, ça fait ça de même, ça arrache la vis, là. C'est sûr, là. Moi, ma bannière est vissée, là. C'est pas une toile, le vent pogne pas dedans, là. Une lumière, esti, ça pogne pas dedans, là. C'est pas pareil, esti. Ça peut pas casser. Il faut vraiment que quelqu'un fasse. Ça ici. C'était vissé là. Là. C'est ça, ça a même pas bougé. Ben qu'est-ce que je vois pas en allant chercher une lumière parce que l'autre qui m'a été scrappé. Une boîte à même chafouille. Fait chier. J'ai demandé au vendeur, on a fait le tour du magasin. Non, non, on n'a pas ça ici. J'ai fait d'autres quincailleries. Sors là! Sors fucking là!
ça s'appelle comment? Des mini twist and seal. On va le savoir pour la prochaine fois. Ils sont là! Je me suis donné tellement de mal! Si le monde sont incompétents ici pour vrai, là. Et à chaque fois, je demande de quoi. Fait que je vais sûrement m'en racheter une jaune, une globe à 6,99 encore. Sauf qu'il faut que j'aille voir avant si. Faut pas que je rajoute un sac au complet ou si je peux juste le mettre sur l'autre. J'ai oublié de le tester avant de partir. Parce que c'est soit un globe de couleur comme ça ou un de même. Ok, c'est pas de, de globe blanc en dinant tout ça. Non, c'est pas ça du beau. Il y en a peut-être un ici. Non, c'est pareil. C'est un petit. Non, c'est pas. Ok, fait que c'est pourquoi je suis toujours acheté gay à mes pièces là, des. Non, non. Fait que c'est ça, je vais aller venir m'en chercher un de même. C'est même deux de même, ça vaut moins cher que ça, que deux, qu'une boîte de deux de même. Pour plus, j'en prends un couleur d'attitude. Fait que c'est ça, on va en chercher un plus tard. Finalement, je vais le prendre. J'espère que c'est vraiment juste ça, le problème, que ça va fonctionner. Pour ça, c'est un avenir de côté, puis je vais au moins le retrouver pour voir ça, si tu reprends. Tu le paieras d'un autre. Si je pourrais trouver ma lumière, ça l'enlèverait tous mes doutes. Fait que voilà, on analyse. Oh, mais là, tu vas pousser. En tout cas, ça, dans le fond, c'est une lumière identique à celle qui n'est plus. Et celle qui n'est plus, elle est cassée de là à là jusqu'en bas. Et ça ici, c'est enlevé à partir de là. Il reste juste ça dans le fond. Puis il n'y a plus le truc dedans. Là. Il est tout comme arraché complètement. Puis le fil, lui qui est attaché, ça, il n'est pas là non plus. Il reste juste ça, fait que. Puis il est tout craqué. Fait que ça, c'est vraiment bizarre que le vent casse des objets. Depuis quand le vent casse des objets? Hey, voilà! Donc, ça fonctionne pour l'instant. Fait que je vais essayer d'aller le brancher. Je vais installer celui-là à la place de l'autre. Puis l'autre, il me manque le morceau principal, fait que ça sert pas grand-chose. Fait que je vais aller réinstaller ça tout à l'heure. Demain matin. Voilà, ça fonctionne. Donc, lumière jaune, ça va faire comme cet effet-là. On voit pas très bien les jeux de lumière dans la caméra, mais c'est beau. Là, je vais aller voir si ces poteaux de galerie-là rentrent dans les cônes. Ah, ils vendent beaucoup, là. Bon, on dit, va vendre tout le temps à ça, puis demain, le jeu de Halloween, j'espère que ça sera pas de la merde. Trop petit! Là, j'ai trouvé des petites baguettes qui vont rentrer dans les cônes. Puis le monsieur là-bas, où j'étais allé chercher les cônes, il m'a donné des manches à balai. Là, je vais peut-être pouvoir en manquer peut-être deux baguettes. Là, aujourd'hui, il faut que je coupe mes carrés Rice Krispies aussi. J'ai décidé de mettre ces deux bouts de bois-là en longueur sur la bannière. On va l'installer autrement. Bref, je vais vous montrer ça quand je vais le faire. Fait que là, j'ai envoyé un courriel au cinéma parce que j'ai réussi à avoir des billets gratuits pour le cinéma. Je sais pas si je l'ai dit, mais là, je le dis. Puis, j'ai décidé d'aller mettre mon site web de la Guignolée à jour pour qu'il y ait les informations du projet Halloween, entre autres, dessus parce que là, j'ai envoyé trop de monde dessus. Fait que, puis là, les petites bouchées sont faites, sont préparées pour demain. Là, bientôt, je m'en vais manger tout de suite après, puis c'est ça, je vais fixer ma bannière, puis je vais régler les trucs qu'il me reste à faire au local. L'heure de vérité, il a tellement venté encore plus. En tout cas, moi, je trouve que c'est plus parce que cette nuit, j'ai pas eu connaissance qu'il est venté, mais ça a l'air que oui, mais moi, je trouve que là, il vente gros. Ah, on le traîne! J'espère que le reste va avoir tenu, parce que là, j'installe rien, là. Je prépare tout en dedans, je vais sortir demain, dans la nuit. Mais demain aussi, annonce des gros vents, c'est ça, sauf que là, demain, j'arrive pas, je vais le sortir. Mais demain, il annonce des plus gros vents, comme plus tard dans la journée, en soirée, que le matin. Fait que même que je sorte ma bannière, tout ça, mes affaires à installer, ça va être moins dur à installer, parce qu'il va y avoir quand même des moins gros vents. Mais en soirée, si ça peut taffer toute la soirée, là, sinon, je vais arriver au local, puis je vais voir. C'est quoi les dommages? La seconde vague de dommages? Non, pas la seconde vague, c'est la troisième vague de dommages. On va voir, elle dit quoi la troisième vague de dommages? Il y a des petits bouts. Yeah! Ça
a tenu jusqu'à Dattre. Dattre avec un R. Dattre. Moi, je mets des R partout quand je parle. Tout le reste, ça tient encore. Bon, c'est un petit peu déplacé, mais au moins, ça tient. Toutes mes bébés tiennent. Ils sont liettes. Ils sont pas liettes. Fait que pendant que quelqu'un continue de peinturer les citrouilles, moi, je vais m'attaquer au panneau. Bon, fait que j'ai fini ce gros panneau-là. Je vais aller au coin de la rue Notre-Dame. Là, je vais faire les petits panneaux pour les billets. Et après, je vais vernir quand ça va être sec. Fait que j'ai fini mes deux panneaux comme ça. Celle qui va aller au coin de la rue, puis celle qui va aller à l'entrée pour les files d'attente. Puis les citrouilles, pour l'instant, ça donne ça. Là, je vais aller installer des ballons. Regardez la belle citrouille avec la grosse tache noire. C'est une chauve-souris! Alors, reste qu'on peut. Voilà, alors c'est juste pour vous montrer dans une des pièces. Ça va être cette pièce-là. Donc, j'ai mis ça comme ça. Fait que j'ai attaqué des deux côtés ma pancarte. J'ai strappé ça après. Alors, la vis, je vais l'enlever, là. Pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Ça tient pas assez à mon goût, mais ça tient quand même. Est-ce que ça bouge? J'ai pas le choix. En théorie, ma pancarte devrait tenir. Donc ça va aller dans un cône comme ça. Mais sauf que là, j'ai une pensée à quoi, là. Ça va tourner, celui-là. Il faut que je l'empêche de tourner. Oh, misère. Comment on va faire? J'ai aucune idée. Peut-être taper le cône. Je sais pas! Hey! Youpi! Je l'ai pas vissé du bon bord! Ça me va là! Je me suis assurée que les lettres étaient à l'endroit. J'ai quand même pas vissé du bon bout! Oh, misère! Faut que je dévisse ça? Mais là, on a un problème parce qu'il faut qu'on le retourne de bord pour visser celle du milieu qui va en avant. Mais même que j'ai vissé mon pied de l'autre côté, on peut pas le retourner de bord. Comment tu veux qu'on retourne ça de bord? C'est ben trop long. Problème. Bon, fait que ça va être ça comme ça. Je vais sûrement remettre une autre piquette comme en arrière qui pogne là. Si je vais mettre ça demain. Demain, j'installe tout le son, les fils, que je place ça. Je vais aller placer ça aussi. Ça, je vais aller mettre ça à l'autre bout du chemin. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Faut que je passe au cinéma Capitole. Faut que je passe chercher les CB. Il me faut des feuilles de cartable. Ah, va falloir que je sorte les poubelles. Va falloir que je fasse la giblotte dans les bacs. J'ai pas fini la pièce de ballon. Ah, il reste plein d'affaires à faire. Bon, je vais rentrer les comptes, je m'en vais me coucher, je suis fatiguée. Bon, c'est l'heure d'aller se coucher. Ça va mieux visser de l'avant. Ouais, ça marche pas.